Vous en avez marre de voir vos personnages préférés dans le même style encore et encore et encore? Eh bien, bienvenue dans Mashup, l'émission où on assemble deux styles complètement différents pour former quelque chose de totalement original. Aujourd'hui, Finn le petit humain d'Adventure Time s'aventure chez Disney pour se faire un petit lifting. Attrapez de quoi grignoter, on est lancé. Vraiment, pour moi, Adventure Time, c'est la définition d'un comfort show. Je sais que quand je vais pas bien, ça va me remonter le moral. Malheureusement, pendant super longtemps, je voulais re-regarder, mais j'ai jamais trouvé d'endroit légal où je pouvais regarder la série, mais dans l'ordre. Heureusement, Netflix s'en est à peu près chargé avec 4 saisons disponibles. Je croise les doigts pour qu'ils ajoutent la suite un jour. Mais vraiment, cette série, c'est trop bien. C'est deux meilleurs potes qui s'aventurent dans des contrées trop cool et colorées. Il y a des éléments de fantasy, de jeux vidéo et d'autres trucs de la culture populaire assemblés dans un univers totalement fou. Bref, c'est un super dessin animé pour ceux qui sont un peu perchés comme moi. Donc comme vous le voyez, j'ai fait Finn. Au départ, je lui ai donné une expression un peu effrayée, comme s'il avait pas confiance en lui. Mais en dessinant, je me suis dit, mais attends, c'est un perso ultra confiant et tête brûlée. Je vais lui changer son expression faciale. Donc au final, il aura une tronche un peu plus confiante et déterminée en regardant son épée. Puis en vrai, ce dessin m'a pas pris beaucoup de temps à faire, juste une petite heure. Je me suis étonné moi-même de ma rapidité. Moi qui, en temps normal, n'a pas l'impression d'être très rapide dans mon art, là je me suis un peu étonné. Après bon, c'est un plan qui s'arrête même pas au buste, donc c'est peut-être ça, j'ai été rapide à cause de ça. Une chose qui m'a toujours étonné dans le style des Disney 2D, c'est le fait qu'ils n'utilisent que très peu d'ombre sur leurs personnages. Et c'est ce que j'ai voulu faire en coloriant. J'avais justement peur que ça ne fonctionne pas comme Disney sait, ou savait, si bien le faire. Ouais, parce que maintenant Disney c'est full 3D, hein. Y a plus de 2D nulle part, à part quelques fois tu peux être surpris dans des petites séries ou autres, mais non. La plupart des choses que font Disney maintenant c'est de la 3D. C'est dommage. Mais donc le fait qu'ils utilisent que très peu d'ombre sur leurs personnages, ça m'a fait penser que c'était peut-être parce que, justement, ils colorient toutes les lignes de leurs personnages. Oui oui, si vous remarquez bien, les lignes des personnages Disney sont quasiment toutes coloriées. Elles sont très rarement noires, à part pour faire les cils, et c'est justement quelque chose que j'ai remarqué et appris en regardant ma référence sur la gauche avec Aladdin, etc. Après c'est vrai que ça doit varier d'un Disney à l'autre, mais dans tous les Disney 2D qui me viennent à l'esprit là, c'est comme ça, il n'y a que des lignes colorées. Et justement, ça doit être ça qui fait que ça fonctionne si bien sans aucun ajout d'ombre. Moi qui adore colorier les lignes, là j'étais ravi. Parce que normalement dans mes dessins je colorie les lignes intérieures du dessin. Mais là dans le style de Disney c'est quasiment toutes les lignes. Et avant que vous me le disiez, hein, non, je n'avais pas la confiance de commencer le line art directement avec les lignes de couleur. Puis c'est si simple maintenant au digital de colorier les lignes sans aucun problème. Donc le tour est joué. Alors, plutôt cool notre petit Finn, hein. J'avais oublié de lui faire quelques dents manquantes quand j'ai record, mais j'ai rectifié ça. Parce que bon, le mec, il vit près du royaume de la confiserie, et ça se voit. Hein. Et pour tous les aficionados de Adventure Time qui remarqueront que j'ai pas fait un détail qui arrive plus tard dans la série, oui, je sais, mais bon, c'est un peu un spoiler si je le fais. Donc contentez-vous de ce joli petit Finn qui commence son aventure. Comment il devrait s'appeler ce film Disney? Aventure? Finn l'humain? Le chevalier de la sucrerie? Bref, ça va être le moment pour moi où je m'en vais. J'espère que vous avez apprécié ce moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner, hein. Soyez sympa. Il est temps pour moi de rendre l'antenne. J'apprécie que vous ayez choisi ma vidéo plutôt que toutes les autres vidéos disponibles sur cette plateforme. C'était Mox, merci de votre attention.
Voilà.